du FIF, Monsieur Mathieu Fleury, sous vos applaudissements. Bonsoir, par manque de temps mais aussi de compétences, puisque je n'ai pas brillé dans cet exercice, je vais vous épargner les salutations protocolaires. Cette fois-ci, donc, je vous salue toutes et tous en vos titres et fonctions, et sous ce terme générique que nous aimons beaucoup, comme amis et amis du FIF. J'avais souligné dans mon discours d'ouverture l'esprit de collaboration et de solidarité qui règne entre les acteurs culturels fribourgeois, mais je trouve qu'on aurait pu aller encore un chouïa plus loin, notamment avec les Georges, avec ce qui m'aurait semblé être un échange de bons procédés, un deal de bon aloi, notre semaine de soleil pour leur open air et leur semaine de pluie pour notre festival de cinéma. Malgré les caprices de la météo, eux comme nous avons heureusement pu célébrer un résultat au beau fixe, preuve qu'il n'en faut plus que quelques gouttes ou quelques degrés de trop pour décourager les affamés de culture et de rencontres. Alors bien sûr, dans un festival normal, le succès se mesure différemment qu'à l'occasion d'une expérimentation comme celle de cette année. Quand on prend des risques, quand on défriche des nouveaux terrains de jeu et des nouveaux formats en termes de date, de lieu et de conditions d'accès. Le premier succès, et sans doute le plus important, nous l'avons déjà célébré à l'ouverture. C'était l'existence même de cette 35e édition de notre festival. Während wir normalerweise unsere Augen auf die Kinokassen richten, unseren Erfolg zu messen, war der diesjährige Erfolg von einer anderen Natur. Denn jede Vorführung, die stattfand, jeder Film, der auf der Leinwand erschien, war an sich schon ein Sieg, eine Zielerreichung, die wir mit einer gewissen Unglaublichkeit und einer spürbaren Erleichterung feierten. Attention, ne me comprenez pas mal, il ne s'agissait pas non plus de faire un festival pour notre plaisir solitaire, mais bien de retrouver avec nos publics cette proximité, mot magnifique et si précieux, cette proximité dont l'espoir du retour concluait magnifiquement le film de Marc Polexa sur, ou plutôt avec, la Lande Verte. Quel bonheur de sentir, de ressentir à nouveau la ville et ses habitantes et habitants vibrer à l'unisson et revoir vos visages, chavirés ou avec la banane, et vos yeux, rieurs ou embués. C'est l'essence même de ce vivre ensemble que la culture fait exister mieux que tout autre moyen d'action. Vous étiez tout de même près de 35 000 à répondre à notre invitation cette année, ce qui ne constitue certes pas un record, mais un score plus qu'honorable quand on sait que la jauge, donc la capacité des salles, était limitée, Covid oblige, à 66%. Grosso modo, notre résultat correspond donc à cette proportion-là de 2/3 du résultat record de 45 000 spectateurs que nous avions atteint en 2019. Paris réussit donc. Alors bien sûr, dans cette communauté humaine retrouvée, il manquait tout de même quelqu'un, c'est nos habituels invités du monde entier, qui par leur présence dans nos rues font d'ordinaire vivre très intimement et amicalement la notion de village global chère à nos cœurs. Mais elles reviendront, et ils reviendront très vite, j'en suis sûr, avec des œuvres magnifiques et beaucoup de magie dans leur bagage, et nous serons là, vous serez là, pour les accueillir. Après tant de mois de disette culturelle, la cérémonie d'ouverture célébrait le retour à la vie, le début d'une nouvelle ère, l'espoir. J'espère qu'après ce long jeûne artistique forcé, cette semaine de festivité vous a permis de vous gaver de films et que vous avez emmagasiné suffisamment d'images et d'émotions pour vous les repasser mentalement durant les belles nuits d'été à venir. J'espère que vous avez la tête remplie du bruit et de la lueur qui ont rythmé cette édition qui célébrait l'union durable et fructueuse de la musique et du cinéma. Avant de conclure, j'aimerais partager avec vous une expérience troublante que j'ai vécue il y a quelques jours. Je voulais partager mon émotion et mon admiration du travail de Sirou avec Hélène Hofer, une membre du jury des courts-métrages, et j'ai cherché sur YouTube la vidéo condensant l'année 2020 que notre si talentueux DJ a utilisé dans son show il y a une semaine. Je voulais lui montrer. Grosse surprise au moment de l'ouverture de cette vidéo, puisque celle-ci ne s'est pas enclenchée automatiquement, mais a été bloquée par un message qui avait cette teneur. La communauté YouTube a jugé le contenu suivant inapproprié et choquant pour certains publics. J'en déduis deux choses. L'état du monde, dans toute sa laideur, mais aussi dans toute sa beauté, bref, dans toute sa vérité, est inapproprié et choquant
pour certains publics. Le public du FIF, le deuxième constat, ne fait certainement pas partie de ces certains publics, puisque c'est justement ce que nous cherchons et recherchons, et c'est cela qui nous unit. La confrontation avec la réalité, avec les réalités, d'un monde changeant, bigarré et passionnant. Nous ne détournons pas les yeux devant tout ce que le monde a d'inapproprié et de choquant, et surtout, nous ne laissons pas à d'autres le pouvoir de décider ce que nous allons regarder. Il est à présent temps de mettre un terme à cette 35e édition et de célébrer le talent au travers du palmarès. Mais avant de distinguer celui des cinéastes, j'aimerais exprimer ma gratitude ici face au talent au pluriel que toute l'équipe de professionnels et des bénévoles du FIF a mis au service du festival et des festivaliers. Dies ist umso bemerkenswerter, als es eine besonders schwierige Feuertaufe für neue Teams war, die noch nie ein Festival erlebt hatten. Aber auch für die vorhandenen Teams, die ein Sommerfestival erfinden müssten, etwas noch nie Dagewesenes und ein Engagement, das unseren Applaus verdient. Les applaudissements pour l'équipe du FIF. Merci pour elle et merci pour eux. Pour dire une banalité nietzschéenne, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, et j'ai l'immense plaisir et la grande fierté de pouvoir dire que le FIF sort certes fatigué de cette période si étrange, mais plus solide et plus fort que jamais, avec des perspectives d'avenir qui me permettent d'affirmer que le meilleur est encore à venir. Et pour finir, j'emprunte quelques mots d'une extraordinaire chanson d'Étienne Dao, à la force d'évocation très puissante, et qui résume à mes yeux ce que nous venons de vivre. J'emprunte uniquement les mots et non les notes. Je laisse le privilège des discours chantés à notre très cher directeur Thierry. Un matin, comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie, c'est providentiel. Debout, peu importe le prix, suivre son instinct et ses envies les plus essentielles. Belle soirée à vous, rendez-vous dans 8 mois et que le FIF vive encore beaucoup de premiers et de très beaux jours. Merci.